C'est aux premières heures de la journée de ce lundi 3 août 2020 qu'une délégation conduite par le directeur Business Unit Jekamin Group Centre, Désiré Mbaye, remet au nom du directeur général Samalou Kondé une ambulance médicalisée pimpant neuve à l'hôpital Jekamin Panda de Likassi. Nous vous confions la gestion de ce véhicule. Merci. Un don de la direction générale à la population qui tombe à point nommé et qui facilitera désormais la prise en charge des patients, surtout en cas d'urgence. Nous remettons cette ambulance à Med pour qu'elle serve à la population Jekami d'abord et aux intérêts de toute la population de Likassi parce que c'est un service médical. Nous voulons que ça serve, c'est un véhicule utilitaire, que ça serve pour le besoin pour lequel ce véhicule a été payé et d'éviter que ce véhicule se retrouve dans des endroits qui vont préjudicier la population. Ayant réceptionné ce joyau pour le compte de la division médicale, le docteur Viviane Kaloumé n'a pas caché son satisfaction et rassure quant à la gestion en bon père de famille de ce bien mis à la disposition de la population. Nous pensons qu'avec cette ambulance, nous allons contribuer à ramener les malades rapidement à l'hôpital et l'équipe soignante en dehors des heures de service. Nous promettons à la direction générale que nous allons utiliser cette ambulance pour le bien des malades. Après un tour rodage réalisé avec succès, la population peut désormais compter sur le service en urgence de l'hôpital Jekamin Panda qui peut les atteindre où qu'ils se trouveraient. Notons par ailleurs que cette dotation intervient quelques jours seulement après la première visite à Likassi en juillet dernier du directeur général Samalou Kondé Kenge, nouvellement nommé et entré en fonction le 1er juillet dernier.